Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Ça fait longtemps, vraiment longtemps, tellement longtemps que je ne sais même pas où est-ce qu'on en était. Bon, à peu près, mais pas trop non plus. je crois que j'avais préparé à peu près ce qu'il fallait, alors que je dis à peu près, hein, à peu près, pour faire les objectifs de phase 2, de la phase 2. Donc j'ai dû ramener pas mal de choses là, comme vous pouvez le voir, au niveau des assembleuses. Et est-ce que ça envoie directement? Non, ça envoie pas directement. Ah! Et que ça envoie directement donc dans l'assembleuse et que ça remplisse petit à petit avec les ressources nécessaires. Disons, j'ai pas grand chose sur moi. Ah oui, c'est parce que j'ai fait un aller-retour, je crois, vers... Pour voir si je me trompe pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Des plaques en acier ou un truc comme ça, là. Allez. On va faire du remplissage. Ah. Béton. Effectivement, un petit problème de béton. Hop, tac, tac, tac. Voilà, comme ça, ça remplira automatiquement ça. Et on va lancer... J'ai pas de câble, c'est terrible. Et je sais pas ce que j'en ai foutu, en fait, de mes ressources. Là-dedans. Ah, là-dedans, il y a du câble. Ah ben, voilà. J'ai dû les mettre là. Hop, donc on va lancer la production. Là on voit que ça rentre. Ça poutre en acier là. Poutre en acier là, j'en ai un paquet et je crois que j'en ai à peine la moitié ou un truc comme ça. Il faut une quantité, c'est abusé. Mais il en faut 12. 12, il m'en faut 1000. Donc 1200. Ah, c'est pour un. 12 000 que tu divises par 2 parce que ça en produit 2 à la fois. Donc 6 000 poutres en acier. Voilà, voilà. C'est plus simple comme calcul, ça. Il en faut 1000 de chaque, c'est bon. Mais mine de rien, regardez, j'ai attendu d'avoir 1000 rotors, 1000 plaques de fer renforcées. Ici, il faut 500 cadres modulaires. Enfin, ouais, j'ai fait ça bien. Oh, j'en ai peut-être pris un peu trop, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Je sais pas comment je me suis débrouillé pour faire mes calculs encore, moi, mais à mon avis c'est un peu foireux. Mais c'est pas bien grave. Donc tout est en train... Voilà, je sais pas rapide. Pareil pour le câble. Pardon ? J'ai tout ce qu'il faut en câble ? Ok, bon. Je suppose, je fais confiance au mois du passé. Peut-être à tort. Pour me dire que... Que je fais ça bien, quoi. Allez, on va essayer de prendre un peu de tout au niveau des ressources. Parce que je sais pas du tout ce que je vais faire. Ouais, j'ai un peu trop du câble là. On va prendre ça. Tiens, du fil, j'en ai pas. Maintenant, la question c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai 18 tickets. On va déjà aller les dépenser, les tickets, c'est bien. Il y a sûrement des choses qu'on peut débloquer avec les tickets. 19, hop, impeccable. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Ça, tout ça, c'est ok, impeccable. Organisation. Alors, on s'en fout. Custom. Ça peut nous servir. Certains trucs peuvent nous servir. Je vais regarder si j'ai pas autre chose intéressant. Ok. Donc en fondation, on va débloquer quelques petites choses. Ça. 5, oh putain, ça va vite. 14.
9, 7. Ça, ça peut être intéressant. 4. Bon, moi, ça va vite. Voilà, on débloque des choses. Where would we be without foundations? Alors, est-ce que... voilà. Probably a bit lower. Débloquer vraiment pas mal de choses, là. Alors, on va faire fondation en béton. Là, c'est bon. Et je crois, alors je sais pas si je vous l'avais montré. Je crois que j'ai dû refaire ma production de cadre modulaire. Cadre modulaire qui était avant. Là où il y a les 3 mines de fer. Et là, ouais, j'ai dû refaire ma production de cadre modulaire ici. Hop! Un peu trop vite là. Ouais. Et j'ai pas de. Pas très beau ça. Est-ce que là ça passe si je fais ça? Ça a l'air. Non, ça passe quoi? Ah bah attends. On a acheté des. Encore? Je pense avoir tout regardé. Pas du tout. On a acheté des fondations. Est-ce qu'on n'aurait pas un type de fondation qui est fait pour ce genre de cas? Ouais, on va voir. Ouais, ça a l'air pas si mal. Hop. Donc, ici, on produit. On produit quelque chose. Oui, des cadres modulaires. On en produit quand même pas mal. On produit pas mal. Donc, je fais ça simple. Hein. J'ai fait ça plus... je me suis manqué Kinect, je crois, que la dernière fois qu'on avait touché aux cadres modulaires. Donc là, j'ai ma foreuse. Hop. Et là j'ai mon bac comme vous avez l'habitude, l'étage du répartissage je crois. Enfin voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire sur cet épisode? Est-ce que je produis tout ce qu'on peut produire? Ah ce qui... ouais, je pourrais faire un modeleur mais là actuellement pas plus que ça. Un tracteur, ouais. Ouais, effectivement, je pourrais ça aussi. On va voir, tiens, ce qu'on va pouvoir faire sur cet épisode. Peut-être faire une petite explo, hein, sinon. C'est vrai que là, on va... Enfin, je pars sur du déblocage de phase. Donc ça va prendre un certain temps. Un temps certain, au choix. Et le temps de débloquer, peut-être que c'est le moment pour faire une petite exploration et aller choper des trucs intéressants. Ou alors débloquer des choses du truc techno là-bas. Ah, tiens, on va faire ça. On va voir s'il y a moyen. Alors voyons voir, disque dur, je n'en ai pas. Ça, qu'est-ce qu'il lui faut? Ouais, tout ça j'ai pas. Ah si, ça je peux avoir, tiens. 500. Capsule d'ADN et 500 poutres en acier. Pour un emplacement de main en plus. Eh ben dis donc, ça fait... beaucoup. Tout ça je produis, hein, tout ce qu'il y a là je produis. Ah, poutres en béton armé, j'ai de la production de ça. Je crois que j'ai pas de production de poutres en béton armé. Faudra qu'on regarde. Parce que là j'en ai. Mais c'était de la ramasser ou fait à la main, un truc comme ça. Si j'en ai pas, j'en ferai. Ce sera un épisode. Hop, on va trier. On va aller chercher des poutres en acier là. Combien il en fallait? 850, un truc comme ça. C'était énorme. Je vais ramener un max.
Et si je dois avoir de la production de poutres en acier? Je suppose qu'elle doit être au bout avec ma prod d'acier de base. Hein. Sinon je vois pas où est-ce que j'en... Où est-ce que je les aurais mis, parce qu'il faut du charbon je crois. Je suis pas sûr au final d'avoir fait. Là j'en ai deux, j'ai les tuyaux et j'ai les poutres. Ah oui, j'ai agrandi là. Là j'ai agrandi les espaces de stockage, tiens. On va pas tout prendre. Donc non, j'ai pas fait de poutres en béton, hein, mais tiens. Et pourtant, je crois que c'est ce qui m'est demandé pour les techno MK 4. 4, je crois. Hein. Mais c'est lourd à faire. Hein. Parce que le... Non, je l'ai vraiment pas fait, ça. Parce que les poutres en acier, mine de rien, consomment beaucoup de matériaux, enfin de minerais, etc. Beaucoup de charbon, de fer. Pour pas grand-chose. Et le béton, enfin le calcaire, pareil, c'est... Alors je sais pas s'il faut faire du béton avec, mais le... pas beaucoup de béton à base de calcaire, quoi. Bon, on va commencer par... par les débloquer des technos. Et les poutres en béton armé, on verra, je sais pas, peut-être sur le prochain épisode ou autre... je ferai un petit repérage, je pense. Allez, on va se la recherche. Ça me débloque. Tool belt expanded. No alien organisms were harmed during the creation of this tool belt. Ouais, ça c'est des trucs, je sais même pas ce que c'est. Ah. Stator et mycélium, je dois avoir ça. Stator, je sais que j'en ai quelque part. Bon, pire, j'en produis. Hein. Voilà, stator. Et mycélium, avec un peu de chance, je dois encore en avoir un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Et ça, ça débloque quoi? Une propriété médicinale. Médicale, quoi. Ok. Medical properties of local mycelia established. New research options available. Medical inhaler variants. Il faut un champi là et un... Et de la viande de truc là. Vitamin inhaler recipe unlocked. Not only does it restore your health, it also acts as a preventative supplement against scurvy and other shortage induced conditions. Champi. Unfortunately, it does not improve aesthetics, but pioneer helmets are built to withstand extreme circumstances. Et ben ça. Voilà, je savais pas où il y en avait. Bon, ça me débloque des trucs médicinaux. Ok. Si on peut y ester. Therapeutic inhaler recipe unlocked. It smells like fried breakfast induced cardiac arrest. Mais le tissu, j'ai peur que... Ça demande un paquet de ressources, ouais. C'est vraiment pas terrible à faire le tissu, donc on attendra ça plus tard. Nutriments. Ok. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, il me faut 10 noix de trucs là. Research shows potential for processing planetary nutrients for pioneer benefit. Nutritional inhaler research available. Un truc nutritionnel là. Ça doit être du truc pour de se soigner, ça j'ai jamais utilisé. Donc peut-être que j'essaye un jour. Non, on recherche MM, ok. Ça j'ai pas. Quartz. Si j'ai débloqué ça, c'est que j'ai dû récolter du quartz à un moment. Et si j'en ai récolté, j'ai dû le mettre là. Impeccable. Il est là. Donc on va prendre le quartz, il m'en faut 10 en plus.
Ça, c'est super. Ça va peut-être me débloquer des bâtiments ou des recettes ou des trucs comme ça. Ah, ça serait peut-être pas... The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz. C'est ça qu'il me faut. With uniquely large and ça, c'est bien ça. Il faut absolument que je le débloque un moment. Mais... The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. On peut pas avoir une prévision des pages. Non. Donc on verra plus tard. Et du quartz, du soufre. Si on verra plus tard, on s'en fout un peu. Ok, bon. Bah, ce que je vous propose, c'est de faire un petit repérage. Pour essayer de voir où est-ce qu'on va pouvoir. Où est-ce qu'on va pouvoir faire notre prod de poutre en béton armé. Je vais faire quelques munitions. Qu'est-ce qui dit repérage des 10 dangers. C'est où ? Inhalateur de vitamines, inhalateur de protéines, inhalateur de nutriments. Et c'est, tout ça, ça fait que du soin. Il va falloir que je regarde, je me renseigne un peu. Je pense que 200 munitions, ce sera suffisant. Donc. Ah oui d'accord, restaure complètement la vie. Ah oui. Ah oui, c'est fumé quoi. Ok. Alors on va poser ça. Ça aussi. Et on s'en va rechercher un emplacement. Aller voir là-bas. D'autant que je peux. Ah. Attends, c'est pas là? C'est pas ça là? Maintenant que j'y pense là tout d'un coup. Ah bah si. Bon bah j'ai rien dit. On va partir à la chasse. On va partir par là. J'ai pas encore exploré dans le coin. Donc on va faire simplement une petite chasse. On va peut-être pas dû prendre autant de trucs. J'ai un coffre dans le coin, non? J'ai comme le souvenir d'un coffre qui doit traîner pas très très loin là. Comme le souvenir de rien du tout moi. Super, non, la tronche des souvenirs toi que j'ai. Bon. Un peu foutu là. Bah il semblerait pas. Parce que là c'est limite niveau place. Allons se balader. Ah mais si, je sais pourquoi. Ah, si jamais je trouve des vaisseaux abandonnés ou des vaisseaux. Ouais mais dans tous les cas il me faudrait du matériel aussi pour pouvoir les débloquer. Donc non, tu sais quoi. Hop. Partir comme ça, c'est quoi ça? Non, c'est juste un caillou. On est en exploration les gars, même un caillou peut. Peut nous rendre riches. C'est vrai que j'ai été chercher je sais pas quoi là-bas. Chargé et chargé. On sait jamais. Oula. Donc ça est mal famé là. Je vois des araignées, je vois des nids de merde là. Des nids de frelons asiatiques là. Xenius. De tout les gars.
l'ai pas ramassé, non, si c'est son cadavre. Ça va. Ah, c'est deux coups ça, très bien. Vous êtes fumé ou quoi? Je l'ai pas eu. Voilà. Attendez, on va peut-être ramasser un peu les... Oh, je l'ai même pas vu. J'ai défoncé un truc à côté. J'ai pas vu l'électro-imasque. Attendez, j'ai pas pris de truc pour me soigner à la place de la tronçonneuse là. Ça sert à rien, tronçonneuse. Hop. Oh, le saloperie. Elle m'attend en embuscade. On va descendre un peu par là, je sais pas si... On va essayer de longer la côte. On va essayer de profiter de ce beau soleil. Ah non, de cette belle brume. On va brumer. Deux fois 2 sur 3, c'est pas si mal. On va vérifier quand même qu'on loupe pas grand chose. On va souvent louper des choses, mais le but c'est d'en louper un peu le moins possible. Eh ? Je suis bloqué ? Ah oui. On dirait une œuvre d'art ça. Oula. On a pas vu la texture, hein. Pas de soucis. Allez, ouvre-toi, sésame. Ah, ça c'est couillon, tiens. Je me suis dit, je vais attendre qu'il s'ouvre pour lui faire mal. Là, je me suis encore pris un coup. Hein. Oh, bah, j'ai pas été bon, là, je m'en suis pris deux. Alors aller dans les grottes c'est jamais la bonne idée ça. Moi je suis téméraire donc j'y vais quand même. J'y vais bien comme il faut en plus. Ok, oh attends, une électrolimace jaune là, verte, je sais pas. Ok, un pec. Il n'y a pas de sangsue dans la flotte. Allez. Y a rien. Hein. Y a rien. Hein. Premier truc qui va me tomber sur la tronche, ça va être des mobs. Hein. Putain, vu la taille du machin. Par contre, c'est un petit flot, quoi. Oh putain. Oui, tiens, qu'est-ce que j'allais dire? Des monstres. Mais je les vois. Oh la vache, si. Encore machin, il y a encore des bouts de nerfs là qui... Il y a pas maman Rémi dans le coin là. Oh, c'est pas maman araignée ça par hasard? Merde. Oh bah mince. Oh bah dis, double là, je me fais vraiment toucher. J'en ai éliminé 2, 3, je sais plus. Bon, j'ai fait le tour. Je pense avoir fait le tour des bestioles là. Aucune idée de où est-ce que je vais, en tout cas c'est... C'est sympa. Je peux passer par là moi déjà.
où est-ce que je vais? Je sais pas, je crois que j'ai... Attends, j'ai déjà dû passer par là. Hein. Ah bon, je ressors pas au bon endroit. Je vais... On va essayer de sortir de l'autre côté. C'est possible, un endroit que j'ai pas encore exploré, quoi. Je repars là. Oui, ça j'en viens, c'est là, ok. On va sortir, ouais, je crois qu'il y a une sortie par là-bas. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas trouvé d'électrolimace ou de trucs comme ça, quoi. C'est ma foi plutôt étonnant. Que des araignées. Oh, une électrolimace à un endroit. Enfin, il était jaune, tu me diras, mais. C'est pas non plus terrible, terrible. Oh la vache, ça a l'air mal peuplé là par là. Oh, mais attends, c'est quoi ça? Du quartz brut. Ouais, c'est des araignées surtout, sinon des araignées. Quoi? Hein? La vache! Elle me fait sauter où elle? Ok, donc un quartz brut, ça c'est vraiment pas mal hein, le coup du quartz brut. Quartz brut, ok, deux. Bon bah dès que j'aurai besoin de quartz, je pense qu'il faudra que je pense à ça. Merde, j'ai loupé. Cet endroit là. Oh merde, c'est vraiment pas bon. Bah, comment ça elle est dans la roche elle? Oula, oula, vache. Moi je commence à paniquer un peu là, c'est pas bon. Ok. Ouh. Bon. Ramassons tout ce bazar là. La vache! Encore du quartz brut. C'est quoi ça? Le même. Ah. Ça c'est un autre type. Il n'y avait pas ça. Ouais. C'est un autre type de truc. Oui, c'est moi où j'ai sauté bizarrement là. Ok. Non, c'est moi. Ok, EME et quartz. Ça va par où ça? Ouais, la sortie est plutôt, a l'air plutôt sympa à prendre. D'autres choses quoi, je regarde au cas où il y a des choses dans les airs. C'est du quartz brut pur, dommage, normal seulement. Bon, c'est déjà bien. Ok, non, on va par où là? Ouais, sortie classique je suppose. On va quand même explorer, on sait jamais s'il y a des petits trucs intéressants dans le coin. La vache, c'est assez grand quand même comme grotte hein. Je connaissais pas. Hein? Quoi pardon? Attends mais c'est pas assez quoi là? Pourquoi d'un coup j'ai perdu plein de vie et j'ai pas compris pourquoi. Je vais y passer hein. Ah ouais, non bah d'accord, bon bah faut pas aller par là. En me rapprochant, la vision se trouble, il y a un truc. Et c'est pas des radiations. Parce que... simplement parce que c'est pas affiché et les radiations sont affichées. Ça doit être un autre truc. Ouais. On reviendra plus tard. Et j'étais attiré, je crois avoir vu une électrolimace violette. Donc j'étais content. Et là je me dis ouais cool. On va pas revenir les mains vides de cette grotte. Bah si. Ah bah. Je l'ai pas vu ça. Allez. Électrolimace bleue. On dirait qu'elle est blanche. La vache. Alors, je veux bien que j'ai un daltonisme poussé, mais là quand même. Manquait un peu de couleur, hein, j'ai l'impression. Allez.
essayer de choper une sortie par là. C'est par où déjà ça? Ouais. C'est là où je voulais sortir. Enfin, j'espère qu'il y a une sortie. C'est par là où je voulais sortir de me. Dommage. Oh putain. Oh, mais là, j'ai pas été bon. Allez, Undos. Y'en a que deux, non? Y'en a que trois, je veux dire. Ça, c'est de la bleue. Il y a l'air d'avoir de la flotte là-bas. Pas du tout. La flotte, elle est que sur les. Un petit problème là. Hein. Ok, re-araignée là-bas. Qu'est-ce que. Ah mais elles sortent de la. De... Merde, elles sortent de la roche en fait. Ouais, les araignées, sacrée araignée quoi. On s'approche avec méfiance. Hein. Ouh, saloperie. J'ai pas été assez méfiant. Entendu, il y a le bruit d'une araignée encore. Par contre, comment je peux remonter moi? Ah! Non, j'avais réussi à monter. Mais j'y ai pas cru. Voilà. On va se faire de Mesmer là. Sortir par là. A familiar pattern is emerging in your brain. Please assess yourself for signs of concussion. If necessary, a replacement pioneer will be dispatched. Work must continue. Replacement delivery schedule estimate. Error: years. Bien, ça m'a détecté des mouvements pas loin, des mouvements hostiles. Je vois pas où. Oh, oh, ah bah pardon, excuse-moi. Hein. J'ai un peu plus ces araignées, c'est un moment de folle. Hein. Ah oui, 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 oh bah allez, vous me cassez les bonbons. Voilà. Je les loupe toutes vraiment là. Je suis pas vraiment au FPS, c'est bon. Allez, une en moins. Oh là là. Ouais, ouais. Bon, j'en ai eu deux. Ah bah non, je t'ai tué là par contre, je proteste. Je vais me faire fumer, hein. Je vais me faire fumer, je suis bloqué. Comme ça, voilà. Allez. Encore une, je crois, non? Il y en a une qui s'est barrée par là, là. Elle est où? Je suis sûr d'en avoir une qui s'est barrée. J'ai combien de missions? 134? Quoi? Pardon, je suis dans de l'eau, là? Ok. Bon, et on est enfin sorti de cette merde. Tout un pan du rivage là qu'on n'a pas exploré. De notre entrée dans la grotte à notre sortie quoi. On va voir si on a loupé quelque chose. C'est possible. On va regarder là. Ok. Ah bah oui, on a loupé quelque chose.
Bloqué par les coquillages là, super quoi. Bon, on peut dire en plus qu'on est pas venu là. Oh la merde. Il y a même un truc là-bas. Un truc que j'aime pas moi. Bon, j'ai l'air de l'avoir vu. Ok. Ça, ça peut être sympa, tout ça. Ça, ok. J'ai de la place. Oh, j'ai pas de place, donc on va se calmer. Ok, donc on va très clairement se calmer. On va en récupérer plus tard si on peut. Mais là. Il y a plus intéressant au disque dur. Ça éveille ma curiosité. Et je crois qu'on va rentrer parce qu'on est déjà complet au niveau des. Au niveau de l'inventaire. Ah, regardez là ce qu'il y a. Encore un truc de mesmer là. Bon, s'il y a un truc de mesmer, ça veut dire qu'il y a du monstre pas loin. Je commence à comprendre un peu leur la logique. Attends, on dirait le truc dans le roi lion ça presque. On va voir Simba bientôt. Non y'a rien, c'est bizarre. Oh ça pue le piège. Ah voilà. Voilà. Oui, mais j'ai pas de. Un peu de place dans l'inventaire. Ça prend vite de la place, hein, mine de rien, tout ce bazar. Oh, mais si, regardez, j'ai de la place en inventaire en fait. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Je pouvais prendre une chose supplémentaire dans ma main, c'est ce qui m'a débloqué. Ce qui m'a débloqué l'inventaire. Impeccable. Allez, direction la maison, c'est par là-bas. Une petite vue d'ensemble là, ça a l'air pas trop mal. Oh, toi t'es le frère à l'autre de tout à l'heure là qui m'a kikiné. Voilà. Oh, pour une fois j'ai été bon. Ah, dans le dos je suis quelqu'un de très bon là apparemment. C'est pas du tout en lien avec mes valeurs, mais pourquoi pas. Notre électrolimace. Là on a le passage ok de l'acier. Enfin vers l'acier plutôt. Oui. Ça pue par là. Je crois que je vais pas avoir le choix que d'y aller. Va vers l'endroit qui pue mon enfant. Oh là 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 là. C'est bien, en plus on récupère un peu de noix de béryl sur le passage. Ça peut toujours nous servir. Ça nous a servi dans la grotte, hein, on a vu. Moi c'était pas de noix de béryl parce que j'en avais plus, mais. C'était quoi? De la baie de la betterave, je sais pas. De la baie machin. Oula! De la baie. Bzzz. Ah oui, de la baie. Tiens. Ouais, mais non. Vraiment, j'ai une poutre toute seule là. C'est moche. Allez, on va rentrer tranquillement à la maison. On va mettre le disque dur. On va le mettre en recherche.
Et je vais laisser tourner le temps de terminer les objectifs de la phase 2. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Je vais vérifier que ça tourne bien. J'ai pas d'interruption de production. Non. Oui, en une demi-heure. 40 minutes, 77, falloir laisser un paquet de temps tourner. D'ailleurs, je me demande si en laissant tourner, je vais pas laisser tourner des... Pourquoi ça marche pas? Ouais. Des broyeurs sur certaines choses. Par exemple, les poutres en béton armé. Les envoyer dans les broyeurs. Les cadres modulaires, peut-être... Les moteurs à broyer, ça doit rapporter beaucoup. Histoire de débloquer des tickets et pouvoir débloquer des choses dans le magasin. Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez hop, tout ça. Voilà. Hop. On met. Notre disque dur à l'analyse. Oui, j'ai de quoi faire. Donc ouais, on va envoyer ce qu'il faut là. On va se faire quelques tickets là, tickets de loterie, tickets de magasin plutôt. Hop, on ralentit, on se fait pas... On essaie de pas se faire avoir trop de fois d'affilée. Là j'ai quand même, j'en ai deux sorties là. Ok, bon. Bah broyeur, on va envoyer ça dans du broyeur. Broyeur. Bon, dans un seul, hein. Je peux le mettre là. Genre vraiment barbare quoi. The barbare quoi, the barbarian. Bon. Attends, c'est un groupeur. Huit. Tac. J'ai plus de MK. Oui, on va mettre du MK3. Hein. Tant qu'à faire. Non, alors oui. Voilà. Hop. Et on alimente, chauffe Marcel. On alimente tout. Ici. Allez. Je sais pas comment ça va me produire là, par minute, mais ça devrait me... Oh sérieux, je peux pas m'envier. Voilà. Ça devrait me produire pas trop mal. J'aime bien les points sur la hauteur. 58... Ouais, je suis à 2000 points. Facile, 2000, un peu moins de 2000 points secondes. Ouah, 100 000 pour minute. Ah ouais. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Bon. On va laisser tout ça se broyer gentiment. Et moi je vous propose de me retrouver très bientôt dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao.